Bonjour. Quelques astuces et conseils pour préparer un examen blanc le mieux possible. Examen blanc, que ce soit en troisième, en quatrième, au lycée, peu importe. Ça va nécessiter des efforts et de bonnes stratégies pour avoir une bonne réussite. En effet, si vous faites des efforts mais que votre méthode, vos stratégies ne sont pas efficaces, c'est comme si ici c'était zéro. Zéro fois quelque chose, c'est zéro. De même, vous avez des bonnes méthodes mais vous ne faites pas d'efforts, même principe, zéro fois quelque chose, la réussite ne sera pas au rendez-vous. Deux pièges qu'il faut absolument éviter et que les élèves regrettent majoritairement quand ils sortent d'un examen blanc. Premier piège, commencer les révisions trop tardivement. Quelques jours avant, alors qu'il y a un travail important de révision à faire, c'est peu, voire parfois pas efficace. Méfiance, on va en reparler après. Et le deuxième piège, le fait de ne pas s'entraîner par écrit. Sous-entendu que votre examen blanc est par écrit, ce qui est le cas de la majorité des examens blancs. Attention à ces deux pièges. Principaux, il y en a d'autres. Et ainsi, ça vous évitera d'être confronté à cette maxime que j'aime bien, c'est toujours après que l'on regrette. Donc pour ne rien regretter, faites quelques efforts, choisissez les méthodes les plus efficaces pour vous. Premier point, il va falloir faire des efforts au moins 3 semaines avant l'épreuve. Ça se prépare, comme je disais, pas au dernier moment. Le cerveau, il a besoin que le travail s'effectue petit à petit et de manière espacée dans le temps. Trois particularités. Il va falloir déjà que vous vérifiez la connaissance des leçons, que vous vous entraîniez à faire des exercices et vous compreniez les derniers points, les dernières incertitudes. Après, ce sera entre guillemets trop tard. Reprenons ces trois points. Donc, réactiver la connaissance des leçons. Normalement, vous les avez déjà travaillées, vous les avez déjà mémorisées, vous les avez déjà utilisées dans des applications en classe, à la maison et même dans des évaluations. Donc il va falloir réviser vos formules, vos propriétés, vos définitions, votre vocabulaire de manière à avoir aucune hésitation, à les savoir quasiment en automatisme. Cela vous aidera énormément si vous n'hésitez plus. Les savoir, c'est une chose, il faut se tester pour vérifier vos connaissances. Qu'est-ce que vous avez vraiment dans votre cerveau? Ce n'est pas juste une impression. Et un des meilleurs moyens pour se tester, pour s'auto-évaluer, c'est de réciter par écrit. Deuxième point, s'entraîner à faire des exercices. Il va falloir les choisir judicieusement. Vous n'avez pas le temps de refaire tous les exercices de l'année, c'est absolument impossible. Il va falloir les choisir. Un des meilleurs moyens, c'est de prendre vos anciens sujets qui ont été déjà faits dans l'année, les gros devoirs sur table, les gros DST, voire certaines petites évaluations, qui sont déjà des résumés, c'est déjà l'essentiel de ce que vous devez être capable de faire. Votre professeur a fait ses anciens sujets, en y réfléchissant, par rapport au programme et pour vous aider, par rapport à ce que vous devez être capable de faire en fin d'année. Tout comme il faut réciter par écrit ces cours, il faut refaire par écrit. C'est le seul moyen efficace pour vous assurer que vous êtes capable de refaire par écrit, comme lors de l'épreuve de l'examen blanc. Et puis, vous pouvez aussi chercher à travailler quelques anciens sujets, soit dans des annales. Il existe des annales de brevets, alors en librairie, mais aussi sur Internet. Et puis, ça peut être aussi des anciens sujets qui ont été donnés par votre professeur. Et si vous avez de la chance, peut-être que votre professeur vous met même à disposition certains de ces anciens sujets. Ça vous permet de voir quel type de questions sont pour les examens blancs. Troisième point,
ce sont vraiment les derniers moments pour comprendre vos dernières incertitudes et les derniers points que vous n'aviez jusqu'alors toujours pas compris. Vous pouvez déjà chercher dans votre tête, dans vos documents, que ce soit les cahiers, classeurs, livres, fiches résumées, tout ce que vous avez pu avoir chez vous à disposition. Posez des questions à des camarades, posez des questions aux professeurs, posez des questions à des parents. L'avantage du professeur, c'est que lui, il aura une réponse parfaitement précise. Pardon. Et enfin, vous pouvez aussi vous aider en révisant à plusieurs. Alors, pas à 5 ou 6 ou plus, c'est trop et peu efficace, mais à 2 ou 3, ça peut aider de temps en temps. Et il y a beaucoup d'établissements scolaires qui autorisent le soir à ce que des élèves aient une salle pour eux et travaillent au calme. Au calme, et en particulier, sans utiliser son téléphone, sans aller se ravitailler dans le réfrigérateur, sans aller regarder la télévision ou pratiquer des jeux vidéo. Donc ça peut être un excellent moyen à voir avec votre établissement et la vie scolaire. Enfin, quelques remarques plus générales de méthodologie en lien avec la recherche et les dernières connaissances sur le fonctionnement du cerveau. J'en ai déjà touché un mot, il faut absolument espacer les apprentissages. Si vous travaillez énormément les 2-3 jours avant l'examen blanc, vous risquez fortement d'être déçu, et c'est normal. Il faut que le cerveau ait le temps d'assimiler et de consolider dans sa mémoire les apprentissages. Donc, pas forcément tous les jours de la semaine, mais vous pouvez vous dire « je dois travailler 3 heures les maths cette semaine ». Vous pouvez très bien vous dire, je vais faire une heure samedi, une heure dimanche, et puis lundi et mardi, ben, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres matières, j'ai d'autres cours, et je vais faire aussi une heure le mercredi après-midi. Autre point, j'en ai aussi déjà parlé, s'auto-évaluer. Si vous refaites des exercices simplement, si vous révisez les cours simplement sans produire quelque chose, sans vous tester, ce sera moins efficace. Vous étudiez quelque chose, un exercice, un cours, vous vous auto-évaluez, vous faites un test. Je récite par écrit, ou je ferme mon cahier d'exercice avec la correction et je vois si je suis capable de le refaire correctement en le rédigeant sans oublier des notions essentielles. Je réétudie, je me reteste, je réétudie, je me reteste, etc. Donc deux points de neuroéducation extrêmement importants pour les apprentissages. Enfin, ça semble être du bon sens, mais je préfère le rappeler, suivre les conseils du professeur. Il connaît les exigences du programme, il aura participé à l'élaboration du sujet de l'examen blanc, il connaît les difficultés des anciens élèves qu'il a pu avoir quant à leur organisation et quant à la rédaction et à la production du futur examen blanc. Donc, allez le voir. Et à ce moment-là, vous vous serez bien entraîné. Et vous avez alors toutes les chances d'être très agréablement surpris par votre résultat et de bien réussir votre examen blanc. Bon courage pour la préparation et puis bon courage pour l'examen blanc, il ne faut rien lâcher.